Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2. On s'est arrêté ici, on continue avec Yara et Lev sans plus attendre. Let's go, baby. Toi. Ah, la santé. D'abord santé. On prend de la santé. D'abord. C'est un délire, n'empêche, dans la forêt et tout là. C'est sombre et tout, c'est carrément stylé. Vite, vite, vite. J'allais dire, il meurt comme ça. J'avais pu sortir Karim, ça avait rien fait. Ok, je voulais esquive, mais ça a pas du tout fait ce que je voulais. Grosse patate! Ah merde! Je loupe carrément mes esquives à chaque fois. Est-ce que j'aurai encore le temps de faire une esquive ou je vais mourir? Ah bah non. Ah le visage! Pas le visage! Tu connais Abyss, hein? Allez, on recommence. On peut mettre 4 patates, 4 patates. Allez, viens, 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 viens. Non, ok, après elle en met 2, ok. Là aussi, ok. Allez la grosse dame. La teuté. Attends. Attends, elle dit encore. C'est bon. Ça va vous? Oui. Ok. Ok, faut se mettre dans le truc, ça fait peur. Bon, on récupère ça du coup. Maintenant, on va changer avec celui-là. Est-ce que j'utilise un kit ou est-ce qu'il y a de la santé quelque part là? Non, on va utiliser un kit. On repart de plus belle! Ça va pas te piquer mon stuff toi, non? Elle a pris cher. Elle a pris cher. Allez, venez les copains, on y va. Les copains. Allez-y. Tambra, ça va? Je maîtrise la situation. Ok. Prenez tout ce qui peut servir. Ne touche pas à ça, ce blanc sur le monde. Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? C'est la première fois que je vois des Scars s'affronter. Des Séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rasé la tête. Ok, me dis rien. Franchement, ça m'est égal. Pistolet de chasse. Stabilité, canon pour augmenter la puissance de tir, acheter une lunette, ça fait un petit peu El Diablo, ça me rappelle El Diablo. Je sais pas ce que je peux améliorer en vrai, j'aurais plus de balles de ça je pense, donc dans l'idée absolue. Plus de balles? Plus de balles. Tu vois que Lev est un petit peu... Pour l'instant.
tu vois, qui est encore dans le délire de l'ancien monde et tout machin. Ils se sont fait laver la tête quand même, quoi. Je pense que Yara, elle a plus les pierres pardon, les pieds sur terre. Je suppose. Manuel d'entraînement? C'est ça? Yeah! J'ai justement envie de lire un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confection de cartouches incendiaires. Confectionner deux cartouches incendiaires pour fusil à pompe qui enflamme les ennemis dans un cône étendu et leur inflige des dégâts considérables. Ça, confection de munitions de pistolet de chasse, ok, pour qu'on puisse faire nos propres munitions. Ça, ça peut être bien aussi. Allez hop, c'est parti! Ça peut être cool. Donc du coup, cartouche incendiaire, d'accord. Vas-y. Alors, on va en faire plusieurs. Vas-y. Voilà. Donc là, ça veut dire que notre pistolet. Bon, j'ai envie de le tester en vrai, mais non, 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 non. Ah non, mais le je suis trop con. D'accord, on va d'abord garder les balles normales ou quoique on va les mettre. On va mettre celle-là. Ok. On est tipard. Qui c'est qui a laissé ça? Emilie, elle est morte. Ah, Emilie, elle est morte. Bon, à mon avis, c'était pas elle, hein, la grande. Comment ils appellent ça là? Oh, je sais plus. Enfin bref, leur guide. C'était pas leur guide, je pense pas. Bon, ici ça pue, hein. Ça pue du cul. J'ai le 5. Ramassez ce que vous pouvez. Même si c'est de l'ancien monde. Ça fait stylé quand même les dialogues. Wep, wep, wep. Wep, wep, wep. Il y a quelque chose là, non? Ouais. En vrai, je pourrais encore essayer d'aller améliorer une arme ou quoi, puisque j'ai récupéré des pièces. Allez, je vais aller voir vite fait. C'était là, hein? Non. Ouais, c'était là. Je vais voir si je peux améliorer quelque chose ou pas. Non, ok. Pour moi, je suis fixé, quoi. Allez, let's go. J'ai pas fouillé ça. Ah bah voilà. Ça non plus. Voilà. Alors, on passe à côté de l'équipement, là. Ah non. Ok. Moi je dis qu'on peut être plutôt bien. J'ai pas de silencieux, on va en créer un. Allez. Stuff ok, let's go baby. Pour l'instant je l'enlève le silencieux, mais au moins je sais que je l'ai. Des balles, ben oui, c'est ce qu'on veut, mon capitaine. On arrive bientôt sur la côte.
Les démons de minuit. On est là, ici. Aïe. Par contre, il va déjà être mort, mon marteau, là. J'aurais peut-être dû laisser Lev tirer sur les infectouses. Ça fait peur, hein, arrêtez là! Vas-y, rentrez avant moi là! Voilà, il y en a un là. Ce qui fait chier, c'est que j'ai rien à jeter là. Maintenant. En vrai, ils sont pas tant que ça. Hein. Dans tous les cas, je vais faire du bruit si je descends. Donc, ah, peut-être là. Non, je suis con, je viens de là. Ok. Pas chier, je tue ton pote. Ça, j'aurais pu laisser à Lev, il laisser le faire. Et maintenant, je suis quasiment sûr que c'est par là. Quasiment sûr. Quasiment, c'est pas sûr quoi. Et si, sortons d'ici, c'est quoi ? Hop là ! Hop là ! Ma bricks. Yes. Bon allez, on y va les copains. Je vous fais passer et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. À ton tour. Attention. Bah ouvre la porte. Lev, ouvre la porte. Elle a un bras pété. Ah ouais, forcément. Je changeais d'arme, t'as pas le droit. Archi méga stylé hein, les cartouches incendiaires.
sont vraiment barrés? Non. Par où je sors, là, il y a ça. Mais j'ai pas de balle! Ah, j'ai pas de balle! Casse-toi, Bi! Il change de munitions. Bah bien sûr, allez, appuyant, allez! Et encore quoi? Oh, deux puants! Bah ouais, pourquoi pas, mon pote! Ok, ils sont noirs. Mais non! Voilà! Attends, y'a quoi là par terre? Ils sont trop nombreux, viens! Ah ouais? Ils sont trop nombreux, c'est étrange. Comme par hasard, allez, 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 viens, on fait cette scène, allez. Je sais. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Doucement. Inspire, expire. Comme par hasard, cette scène, quoi. Allez, arrête. Quoi, faut que je vous le rappelle? Joël et Sarah? Bah oui. Non, mais comme par hasard. Et vérifie qu'il n'y a pas d'infecté. Ça s'ouvre pas. Et c'est les autres. Celle-là là-bas à droite, elle me plaît bien, hein? Troisième, c'est toujours la bonne. Allez. Voilà. Allez, entrons avant de se faire repérer. Et dans leur délire d'escar, là, ils se font tous se trancher les joues. C'est chalot. Comment t'y prendre? Découpe ça en bandes. Ça va faire mal. Oh, rien que le bruit, ça me gênait. Okay. T'es prête? Ça va. Merci de m'avoir libéré.
passage dans le coin. Je sais qu'elle est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. Ok. Non. Oh. Par contre, ouais, les... Comment ça s'appelle, les cartouches incendiaires, elles font super mal. Attends, ça on va recharger. Mais du coup, je sais pas quand je veux changer de munitions, ouais, à chaque fois je recharge. Ok. Sûr qu'il n'y a pas moyen de les ouvrir les trucs là. Et le chien. Putain, lève. Mais eux, c'est un peu les Sam et Henry de la première partie. Est-ce qu'on va les revoir? Je pense que oui. Mais en vrai, ils vont sûrement se vabider un truc ou quoi. Et... Enfin, je sais pas trop. Par contre, la scène là de prendre la prendre dans les bras. Voilà, tu vois. C'est parti. Oui, c'est clin d'œil, mais c'est pas ce qui me fera dire. Ah, elle est cool, la bille. Chacun son camp. Chacun son camp. Ah, bah, je peux pas y aller, c'est bien. Mais comme par hasard là les deux puants, hein, je me suis dit mais vas-y ils abusent quoi. Ils ont un quatrième aussi, un neuvième. Yetabli. J'aime bien le celui-là. Conserve vos cartouches dans une cartouchère fixée sur la crosse pour augmenter la vitesse de rechargement. Ça peut être bien. Ça peut être bien. En vrai, le panel d'armes, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Il est pas mal, ouais. Ouais. Bon, encore une fois, je sais plus combien de temps ça fait là qu'on est en live, mais... Faire des épisodes pas trop longs, comme j'avais dit. Alors... Ah, un étui, voilà, c'est ça qu'on veut. Bah, bien sûr. Cool. Du coup. Ouais, comme ça c'est bien. Ouais, comme ça c'est bien. Ok. Tranquille. On se fait notre stuff, tranquille. Bam. On dirait trop El Diablo, hein, ce flingue. Quoi, merde? Infecté? Oui, infecté. Ah, il est là dedans, ok. J'ai l'impression qu'il y a une cargaison de claqueurs. T'es où? J'en ai entendu un là.
Ah! Au secours! Je voudrais courir en fait. Tiens, Scar de merde. J'aurais bien voulu fouiller la zone, mais bon. C'est bien le truc de attaque éclair une fois que t'en as fait une. C'est bien ça. Bon. Je peux plus suivre le soleil. Mais au moins j'ai toujours la grande roue. On va avoir des trucs à récupérer là, non? T'as c'est con ce qu'on partait bien au début, puis je me suis fait griller, j'ai dû tracer quoi. Pire ouais, même si je passais par la. Je prenais la hauteur. Je sais même pas si ça aurait fait quelque chose en vrai. Parce qu'ils peuvent monter donc. Ouais, je sais pas quoi. Heureusement qu'on a des petites bombasses. Hein. Heureusement. Pas de stuff les copains? Et c'est bien, c'est que là du coup les. Les coureurs en fait ils sont comment dire avec le la dégaine des scars quoi en fait. C'est pas toujours la même dégaine. Dans où est-ce qu'on était chez les wolves, il y avait beaucoup de coureurs, rôdeurs, tout ça avec bah, c'était des wolves quoi tout simplement. Et là du coup comme on est plus chez les scars et ben ils ont la gueule des scars tout simplement. C'est stylé. C'est des petits détails de rien du tout, hein, mais des logiques, mais c'est stylé. Ah, une bonne douche sous la lune. The money. Hey, hey. Il va ramasser combien? Bon, ici, ça devrait être tout droit. Voilà, forcément. Forcément. Ça va pas me tomber sur la tronche, au moins. Eh ben maintenant on va là-bas. Là je peux pas passer. Ah je peux passer là, ok, j'étais pas sûr. Voilà voilà. C'est pas le bon plan d'aller là-dedans je pense. Hein. Si. Non, je serais plutôt grimper, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Elle veut pas monter. Donc j'atteigne la rive là-bas. Ah oh, moi je te le dis, je serais pas rassuré. Là, elle va retrouver Owen mort. Elle va avoir Elise barré ou je sais pas ce qui va se passer. En vrai, on doit pas être trop loin de la fin. Hein. Enfin, si après, tu me dis quand les Scars, il y a Isaac, il y a la folle là des Séraphites et tout. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'on est à un peu plus de la moitié du jeu quand même. Je
pense. Oh. Le sommeil. Putain. On a les flèches, mais on n'a pas l'arc. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'arc. Ok, peut-être par là, non? Porte, rien. Ah. Ok. J'ai pas bu. La musique, la musique. Ah, on va faire un test. Test, test, arbalète. Je m'y casse. Ah, je vais pas péter mes flèches pour rien aussi. Forcément. En vrai, quand tu penses, tu vois, bon, des fois t'as beaucoup d'ennemis, tout ça machin, mais des fois, tu vois, comme là, il y en a que 3. Mais t'as beaucoup de passages où t'as que très peu d'ennemis. En vrai, est-ce que c'est pas mieux d'avoir fait ça que de mettre toujours je sais pas combien d'ennemis, de faire plein de fights et tout? Les armes sont stockées sur le pont supérieur arrière. Ok, pont supérieur arrière. Très très bien. Pont supérieur arrière. On va essayer d'y aller. Ça c'est cool parce qu'on va être silencieux avec ça. C'est bon ça. On va la garder pour l'instant. J'ai entendu un claqueur. Attends, d'abord est-ce que ça on peut l'ouvrir? Non, je viens de là. Ok. Moi c'est pas un coup de surin que je veux mettre un. Putain, je mets des coups de surin mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux juste mettre une grosse patate. Mais bon, pour les claqueurs tu peux pas, tu dois faire un surin avec Abby. Ellie elle sait faire mais Abby voilà, a d'autres compétences. T'en as un là-bas. Ah!
descendre la montre. Oh punaise. Mon chat qui dit bonjour. Descends. Attends, moi il me faut le coffre. Hein. Pont supérieur. Arrière, c'était ça, pont supérieur, ouais, je crois. Là-bas, il reste un ennemi. Non, descends. Tu cries pas, hein. Dépêche. Bonjour, c'est une queue de chat, bonjour. Le chien. Bon. On va faire ça, hop. Et des bombes. Voilà. On est bien, on est bien. Encore les pièces de money. Money, money. Ah ouais, le pont supérieur, du coup, c'est où? C'est où les copains? Là j'y viens. Écoute, on continue. Le pont supérieur, donc c'est là. Il doit être là quelque part. Ah, il a le code. Ok, attends. Donc c'est quoi la note, le code? 90 77 01. Bingo! Nouvelle branche d'amélioration. Ouais. CCC. Confection rapide, réduit de moitié le temps, ça je m'en fous. Arme améliorée, corps à corps, ça c'est bien. Ok, documentaliste, trophée obtenu. Yes! On a eu tous les. Bah ça va en fait, ça veut dire qu'on cherche bien. Ça veut dire qu'on cherche bien. Permet de ramper plus rapidement en maintenant rond pour vous mettre à terre. Ouais, je sais pas en vrai. Et ça c'est quoi? Vas-y, on va faire ça, on part là-dessus. Voilà, une branche complète pour Abby aussi. Hop. Une tête parce qu'il va être chiant. Je sais pas pourquoi je le sens, il va être chiant. Je joue pas. Ouais, trop loin. Con. Ah,
pue en plus. C'est bon. Voilà. Oh oh, je fais de la merde. Hey coucou, on meurt. Ok, on meurt pas, très bien. C'est là que tu vois que j'ai un gros problème avec la... T'as peur ta tête. Peut-être des gros problèmes avec la... On va y arriver ou pas? Furtivité. Vas-y, on va mettre les incendiaires sur le... Le bouffon. Le puant, pardon. Voilà, attaque éclair sur lui, tu peux le faire? Ça dégage. T'aimes pas le feu, hein? Tu veux le feu? T'aimes pas le feu. Ok. Oui, bonjour, je cherche à être furtif. C'est bon, c'est fini. Pas du tout. Bon, bah écoute, on a tout ramassé, je pense, là. En vrai, de vrai. On va refaire un petit silencieux. Je me suis reculé à ce point là. Oh, je peux pas, attention. Ah bon, dès qu'il y a du combat, j'ai peur. J'avais pas fait attention qu'il y a le puant et tout machin. J'ai l'arbalète, j'aurais pu utiliser l'arbalète, voilà. Tali tali ta petite tala. Ok. On va faire, c'est qu'on va mettre ça, ça, et là, c'était comme ça. Allez, c'est parti. Bon, je vais réessayer. Fallait sauter parce que j'ai essayé de sauter, elle a pas sauté donc ok, pas trop compris. Il faut que j'essaie le niveau supérieur. Let's go. J'entends désinfecter là-bas. J'ai cru entendre désinfecter. Ce n'est que mon imaginaire. Oui, bien sûr. C'est trop calme.
je crois que je pouvais y aller. Ok, ça va, ça va. On va passer là-dedans, je pense. Hein? C'est trop calme. Ça va siffler, je pense. Bon, attends là. Parce que là, la grande roue, elle est où en fait là? Ah, on est à l'arrivée à l'aquarium, ok. Je me souviens plus quand on arrivait avec Ellie dans l'aquarium, il y avait des ennemis. Je crois. Là, si elle arrive en même temps, normalement ils sont tous morts. Logiquement. Ah, j'ai envie d'aller voir là-bas. C'est terrible! La morse. Là-dedans, on peut pas y aller. Si. Non, ok. Bon, s'il y a du chemin là-bas, à mon avis, c'est qu'on peut pas rentrer là. On va aller voir quand même. Ça doit être mes fers. Owen. Ouais, c'est mes fers. Owen. Owen, réponds. Il est mort. Quelque part à l'arrière. Il est mouru. Non, en vrai, il est bien ficelé le scénar. On verra les surprises qui nous attendent encore, hein, mais pour l'instant, c'est bien fait. Il n'y a rien sur le camion là. Ok, la petite lucarne, je l'avais pas vue là. Rien d'autre, si, ça. Oh, et si. Non, je sais pas du tout ce que si ça sert à quelque chose que je fais là. Pas aller très loin avec hein. Ah non, au-dessus, ouais, j'ai pas vu. C'est pour ça qu'il y avait une bouteille ici. Très bien. C'est cool hein, les petites énigmes comme ça et tout. Stylé. Comme d'hab, c'est stylé. C'est rien du tout, mais c'est trop bien. Ce que je suis obligé de faire pour toi. Puis après, en vrai, ils ont pas trop abusé hein, sur les cordes et tout là. Je trouve. Ils auraient pu en mettre à tous les coins de rue, mais non, ça va. Elle l'avait fouillé. Hey, Owen. Ah,
Ah, c'est sur la gauche là-bas. Ouais. Owen! Putain de merde. On était passé par là-bas, je m'en rappelle même plus. Je me rappelle même plus qu'on était passé là-bas. En vrai, est-ce qu'on a des trucs à récupérer? Je pense pas. Je pense pas. Nine! Bon, allez. Pourquoi c'est allumé? Qui a fait ça? Évidemment. Dans le Toba. Ah, la couche, peut-être, non? Owen? C'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. M'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt. J'ai tué un paquet de Scar. Et... Ce mec-là, putain... Je pouvais pas. Évidemment, Danny s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre. Qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape, et... Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel?
Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras des cuvées. Pas ça. Faire quoi ? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Quoi ? Non, rien. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Ah oui, comment je fais ça, Abby ? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille. Les massacrer. Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby. Bah c'était sûr hein, en même temps. Pas de nudité, pas de nudité, je vais me faire strike. Nudité, cache, cache tout. Non, ah, punaise, mais non. Cache. Bon bah ça ce sera coupé hein, sur YouTube. Ah bah super. Ça c'est flouté, ça c'est flouté. Ah pardon, ça me fait rire. C'est la première fois, enfin première fois non, mais dans The Last of Us, c'est la première fois que tu vois un truc comme ça. Ah là là. Pourquoi on refait ça ? Ah ok, elle rêve. Bon bah écoutez, on s'arrête ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. On en a appris encore plus. C'est cool, c'est cool. Bon, la scène de nudité, on savait qu'ils avaient parlé de scène de nudité, mais ils font chier. Moi je fais comment pour mettre ça sur YouTube sans me faire strike? Ah, je vais devoir tout flouter. Désolé, l'écran il sera sûrement flouté à ce moment là Mais bon bref, j'espère que ça vous aura plu en tout cas cet épisode. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Peace.